Benvinguts, senyores i senyors, benvinguts a casa nostra, que és la seva. I bona tarda a tothom. El mercat econòmic europeu viu un moment difícil de replantejament de polítiques i pràctiques. La crisi econòmica i financera ha portat fins i tot a parlar de la supervivència de l'euro. Ara més que mai és un moment per reflexionar al voltant del paper del sector financer en aquest context. En poc temps hem viscut canvis importants i en continuarem visquent. La conferència d'avui té per objectiu oferir un espai on poder-ne parlar i reflexionar. El senyor Guido Rebollé és una de les personalitats més rellevants dintre de la Unió Europea pel que fa a coneixement del món financer comunitari i internacional. La seva condició actual de conseller delegat de la Federació de Bancs Europeus, després d'haver estat des del 2005 secretari general d'aquest organisme, li donen el coneixement i l'autoritat moral suficients perquè les seves paraules siguin preses en consideració. La Federació de Bancs Europeus, European Banking Federation en anglès, és l'organisme que representa el sector financer europeu davant de la Unió Europea. A través de les 31 associacions de bancs nacionals de països de la Unió Europea i de països EFTA que són membres d'aquesta federació, representa uns 4.500 bancs. Andorre est dans une phase de transition vers quelque chose de nouveau. Je suis personnellement très intéressé par ce phénomène. Notre mission est de défendre les intérêts du secteur bancaire au niveau des institutions européennes, donc la Commission européenne, le Parlement européen et le Conseil des ministres. Ce n'est pas toujours évident de trouver un consensus. Mais je dois dire que depuis la crise, le secteur bancaire dans son ensemble a pris des mesures nécessaires pour participer à la reconstruction économique. Et nous coopérons avec les politiques pour contribuer à trouver des solutions appropriées à la crise. Et ça n'est peut-être pas toujours assez dit. La crise est la dette souveraine. La crise qu'on vit actuellement, la dette des États membres de l'eurozone, qui est effectivement une crise de la dette souveraine, celle de nos États, et pas autre chose. Il ne faut pas mélanger avec l'autre crise, la crise bancaire. Maintenant, cette crise, à mon avis, serait de toute façon apparue à un moment ou à un autre. Son apparition a certes été accélérée par la crise financière, mais la grande majorité de nos pays en Europe, comme nous savons tous, vivent au-dessus de leurs moyens depuis un bon nombre d'années, dans certains cas une trentaine d'années même, et les budgets adoptés sont systématiquement déficitaires et il allait forcément arriver un moment où cela serait devenu apparent. Le moment où les banques étaient en train de reprendre la pente étaient en train de renforcer le capital, cette deuxième crise leur tombe sur la tête. Et heureusement, il y avait la Banque Centrale Européenne qui a mis des liquidités, mais vraiment dans des très larges quantités, à la disposition des banques, pour donner la possibilité aux banques de continuer à faire leur travail, de donner des crédits aux entreprises et aux ménages et donc à l'économie réelle. Ce n'est pas le but de la Banque Centrale Européenne de pourvoyer liquidité, pas à cette dimension-là, de façon permanente, puisque normalement, il existe aussi des marchés interbancaires. Les banques prêtent également entre elles des liquidités pour un jour jusqu'à 12 mois. Et donc, mais ces marchés ne travaillent plus puisque les banques n'ont plus de confiance entre elles. Et donc, c'est la Banque centrale qui joue finalement comme pourvoyeur de liquidités. Et ce qu'on essaye maintenant, c'est de réduire ce qu'on appelle « damage control » en anglais, de diminuer les effets négatifs de cette mauvaise idée qui part de l'idée que finalement le secteur financier est sous-imposé. Ce n'est pas le cas. Nous avons prouvé avec des chiffres
que les banques en Union européenne payent 17% de l'ensemble de la taxe sur les sociétés, alors que la partie dans le produit intérieur brut de l'Union européenne du secteur financier n'est que de 6,5%. Donc on paye deux fois plus de taxes que notre importance dans le produit intérieur brut. Mais donc il y a des perceptions négatives et là j'envie les banques andorranes qui certainement bénéficient d'un goodwill aussi bien du public que du monde politique. Ceci est malheureusement pas le cas dans la plupart des pays en Union européenne après la crise bancaire de 2008. Vraiment, on assiste à des séances de ce qu'on appelle en anglais « bank bashing », taper sur les banques. Et donc, c'est très rémunérant pour les politiques en Union européenne d'être très critiques vis-à-vis des banques, de les faire payer pour tout le mal qu'ils ont fait. Et donc, voilà, nous craignons le pire avec cette taxe sur les transactions financières. Ce qui nous préoccupe dans tout ça, c'est l'impact sur l'économie réelle. Nous croyons vraiment que tous ces règlements, tout cet encadrement législatif aura un impact important sur la façon dont les banques peuvent ou pas financer l'économie. Parce qu'un moyen pour les banques d'atteindre les nouvelles exigences en matière de capital est de réduire leur bilan et donc de réduire leur capacité de financement des entreprises et des ménages. Bien sûr, les banques européennes vont faire tout leur possible pour préserver en même temps leur capacité de financement de l'économie, mais finalement, ils n'ont que deux moyens à atteindre cet objectif, c'est soit ils peuvent se recapitaliser en conservant leurs profits afin d'augmenter leur capital, ou ils essayent de se procurer des capitaux sur les marchés. Ce qu'on attend, c'est que les gouvernements restaurent la confiance des marchés. On a vu qu'en augmentant le capital des banques, ça n'a pas convaincu les marchés. La seule chose qui a convaincu les marchés, c'est l'effort important que la Banque centrale européenne a fait comme pourvoyeur de liquidités aux banques. Donc, ni l'augmentation du capital, ni tout le package pour augmenter la gouvernance de l'Union monétaire a finalement rassuré les marchés financiers, les investisseurs. Et donc, on vit dans une situation, en effet, pour le moment, ça va plutôt bien, mais ça reste une situation très précaire. Mais néanmoins, c'est quelque chose qui n'est pas immédiat. Et donc, on parle même aussi du fait que les 500 milliards ne seront peut-être pas assez. Mais bon, il y a aussi quand même le Fonds mondial international, l'IMF, qui va augmenter ses moyens. Et donc, je pense que ça pourrait être suffisant. La seule chose, c'est qu'il faut l'instaurer le plus tôt possible, parce que sinon, je crains que les marchés financiers vont de nouveau devenir très, très nerveux. Ce n'est un élément, parce que l'ECOFIN, donc le Conseil des ministres européens, a adopté aussi ce qu'on appelle le Fiscal Compact. C'est vraiment une batterie de mesures pour mieux gérer l'union monétaire. Comme j'avais dit au début, il fallait le mettre en place avant d'instaurer d'instaurer l'euro. Mais je pense que, bon, on l'a fait maintenant. Je pense que c'est bien fait, c'est bien réfléchi. Ce qu'on doit faire maintenant, c'est les gouvernements qui sont au point de mire des marchés, qu'ils suivent une politique budgétaire extrêmement stricte, qu'ils rassurent les marchés
qu'ils ont pris les mesures nécessaires et qu'ils vont persévérer. Parce que les marchés ne sont pas dupes. Quand ils voient que bon, ça reste plutôt à des mots et qu'il n'y a pas suffisamment d'action, ils vont devenir de nouveau méfiants avec toutes les conséquences. Et donc, je pense que c'est pour nous, secteur bancaire, essentiel maintenant que ces pays qui ont des problèmes gardent le cap et donc essayent de maintenir la confiance des marchés. Cela est absolument nécessaire. En venant ici, j'ai vu encore le dernier rapport de la Banque centrale européenne. Sur l'année 2011, il y a quand même une baisse sensible du montant des prêts accordés aux petites et moyennes entreprises en particulier. Et je pense que c'est une caractéristique pour l'Europe, c'est que les petites et moyennes entreprises, et on sait tous qu'ils sont tellement importants pour l'économie européenne, qu'ils dépendent exclusivement du crédit bancaire pour se financer. Différemment de ce qui se passe aux États-Unis, où même les PME ont un accès direct aux capitaux privés par ce qu'on appelle les venture capitalists ou le private equity, ou bien même en allant vers les marchés financiers. Nous croyons que la solution durable est plus d'harmonisation encore, de règles, de supervision bancaire, et c'est pour cela que nous ont vraiment salué l'instauration, nous l'avons demandé, mais nous avons salué après la création de trois autorités au niveau européen. C'est d'abord le EBA, European Banking Authority, qui est basé à Londres, et l'ESMA, le Comité européen des superviseurs des marchés financiers, basé à Paris. Et ce sont des comités avec des compétences réelles. Bien sûr, ils sont encore gouvernés par les superviseurs nationaux, mais les décisions se font par majorité. Et donc, ils ont la compétence de mettre des standards pour les institutions financières. Aussi bon les banques que les maisons d'investissement, que les compagnies d'assurance, les fonds de pension, etc. Et donc ça, c'est quelque chose qui est vraiment un pas considérable dans l'architecture européenne, c'est que ces trois autorités vont maintenant développer des standards européens et pour le secteur bancaire. Un jour, on aura, et le plus tôt possible, peut-être même l'année prochaine, on aura ce qu'on appelle pour les banques le Single Rulebook, donc un seul système de règles prudentielles pour toutes les banques. Ainsi, je pense que les banques européennes seront en mesure de faire face à la compétitivité, la compétition internationale qui se fait aussi de plus en plus importante. Nous continuons bien sûr le dialogue avec les politiques sur tous ces sujets. Et parce que je suis résolument optimiste, je crois, malgré l'émotion que les politiques éprouvent pour le moment vis-à-vis du secteur bancaire, je pense que on a maintenant les moyens et il faut leur donner encore plus de moyens aux banques et pas couper leurs ailes par un encadrement trop lourd et disproportionné. Mais je pense que le chemin est balisé. Ce sera encore très difficile. Il y aura encore pas mal de bosses pour parler un peu de votre environnement ici et les pistes que j'ai pu d'ailleurs en profiter un peu hier. Mais je pense que le chemin est balisé et je pense aussi que dans l'avenir, de plus en plus, le secteur financier andorran va s'inscrire dans ce grand projet. J'espère en tout cas. Merci beaucoup.